Bonjour, je m'appelle Chantal. Je vais chercher mon élève Kevin et ensemble on va faire un tour pour découvrir le domaine skiable de Val Thorens. Allez Kevin, on est parti, on y va. Chantal est monitrice de ski, la station de Val Thorens n'a plus de secret pour elle. Et l'un de ses premiers réflexes pour faire découvrir le domaine skiable à son élève, c'est de rejoindre l'un des plus hauts sommets. Direction la télécabine et le téléphérique de la Cime Caron. Un équipement dernier cri, car avoir des remontées high-tech, c'est l'une des marques de fabrique de la station. Beau, hein ? On va aller voir là-haut le panorama. Nous sommes à 3200 mètres d'altitude à la Cime Caron, le sommet de la station. D'ici, Kevin peut avoir une vision globale du domaine skiable de Val Thorens, mais pas uniquement. La vue panoramique à 360 degrés est sans pareil dans les Alpes. Il se dit même que l'on peut y voir jusqu'à 1000 sommets. Après un bol d'air pur, Kevin et Chantal décident d'entamer leur première descente à la découverte du domaine. Découverte qui passe par un spot très prisé des ados et des familles. Bon Kevin, regarde ça, c'est un snowpark. Donc il est bien large, regarde. Et en fait, tu as différentes couleurs, tu as trois couleurs. En fait, c'est comme les pistes. Le vert, c'est débutant. Donc c'est des petites bosses pour arriver à s'habituer un petit peu au saut. Le bleu, c'est plus confirmé. Et le rouge, c'est si vraiment tu veux t'éclater. Ici, Kevin pourra admirer les pros ou tester ses performances sans risque. Entre les pistes larges et faciles pour les skieurs intermédiaires et les pistes plus techniques pour les initiés, à Val Thorens, la glisse s'offre à tous, sans oublier les débutants, petits et grands, qui ont leur espace d'apprentissage. Si le vaste domaine skiable de Val Thorens-Aurel permet de skier toute la journée au soleil, il fait aussi partie du domaine des Trois Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, 600 km de piste. De quoi relier Val Thorens à Paris. Et après plusieurs heures de ski, Kevin est plutôt ravi. Paysage magnifique, beau soleil, beau panorama. Je pensais pas qu'on ferait des petites bleues sympas comme ça à 3000 mètres. Mais découvrir l'ensemble du domaine skiable de Val Thorens ne se fait pas en un jour. Pour ça, Kevin a encore une belle semaine de vacances devant lui.